Bon, je viens d'arriver à l'hôtel, donc c'est le même que j'ai pris en juillet, puisque j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'avais pris parce qu'il est hyper bien placé pour faire mes visites dans les quartiers qui me plaisent, et il est pas très loin du Burj Khalifa. Et les suites sont juste incroyables, et honnêtement, au niveau tarif, il est hyper bien placé. Enfin, il est vraiment pas excessif, et pour le coup, j'ai kiffé, donc j'ai repris ici. Et ils sont tellement habitués à me voir, qu'ils m'ont carrément mis mes petites photos ici, j'aime trop, c'est trop mignon. Ça, c'est les services de Dubaï, voilà, vous venez une fois, et après, ils vous accueillent les bras ouverts. Honnêtement, Dubaï, c'est toute ma vie. Voilà, je me sens déjà bien chez moi alors que je suis qu'à l'hôtel. J'adore. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Bien arrivé à Dubaï. Je vous cache pas que je suis chaos technique. Beaucoup d'émotions hier. Le vol, récupérer la chambre, la voiture, enfin la totale, j'ai vraiment tout géré. Et là, j'ai mis mon réveil, je me suis réveillée parce que j'ai une visite à faire. Donc, première visite. De ce retour à Dubaï, c'est une maison à Adama Hills. Voilà, j'en ai qu'une à voir aujourd'hui tout simplement parce que c'est le week-end. Donc là, Dubaï, c'est samedi et demain, c'est dimanche. Donc en gros, j'arrive pile poil pendant le week-end. Donc les agents immobiliers, les propriétaires, etc., ne sont pas forcément disponibles le week-end. Donc du coup, lundi, on attaque sale, mais vraiment sale parce que là, je compte vraiment trouver ma maison. Je ne peux pas rester à l'hôtel pendant 8 mois, même si j'adore cet hôtel. Donc voilà, hâte de vous partager un nouveau un peu tout ça. Donc là voilà, direction première petite visite aujourd'hui. Bon, la piscine, elle n'est pas faite, hein, mais juste regardez, franchement, elle est pas mal. Première visite donc à voir sur le golfe, la vue, très jolie. Ça y est, j'ai fait mes quelques visites aujourd'hui. Je suis contente parce que j'ai eu un coup de cœur sur une maison, je ne m'y attendais pas dès le premier jour. Parce qu'en juillet, je vous expliquais, j'avais visité déjà. J'avais eu un coup de cœur sur une maison. Le souci, c'est que comme j'étais pas encore prête à la prendre, que je voulais vraiment arriver en septembre, bah, elle m'est passée sous le nez parce que j'ai pas pu la bloquer en temps et en heure, malheureusement. Du coup, là, je m'attendais vraiment pas à avoir un coup de cœur aussi vite. J'ai eu un coup de cœur sur une maison. Donc, je vais faire une offre, je pense. Je vais en voir d'autres aussi. Donc, voilà, le cheminement avance. J'espère pouvoir trouver ma maison plus vite, commencer à la meubler, à la décorer. Au cas où, ici, on ne trouve pas une paire, je vous explique. Voilà, vous rentrez dans les magasins, c'est simple, il y a toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les modèles. Incroyable. Alors, ce sont des bougies de cire pour les oreilles. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, ça cartonne de ouf. Vous avez donc le petit tube en forme de cire avec le petit couvercle ici pour éviter que la cire coule. Mais généralement, c'est hyper bien conçu. Vous mettez ce petit bout dans l'oreille et en fait, ça vient retirer toutes les impuretés. Toutes les choses qui ressortent sur notre coton-tige, clairement, mais de manière plus propre. Vous allez voir, je vais vous montrer. Franchement, je trouve ça hyper sympa comme concept, hyper pratique. Et vous avez différentes couleurs pour, voilà, pour vous éclater. Et chaque couleur a un parfum différent. Donc, en plus de ça, ça diffuse une odeur très agréable. Je vous montre. Donc là, je viens de prendre ma douche et du coup, je vais mettre mes petites bougies spéciales pour nettoyer les oreilles. Ça cartonne en ce moment, j'étais trop contente et trop pressée de les recevoir. Donc, c'est hyper simple. Vous voyez le petit tube ici, ça vient se placer comme ceci dans l'oreille. En fait, ça fait comme la cendre. Vous allumez le bout de la mèche et ensuite, ça se consume et ça vient éliminer toutes les impuretés. Donc pour le faire, je vous conseille de vous allonger comme ceci. Hop, bien mettre la mèche et ensuite allumer le bout. Non mais regardez, je viens de le dérouler. Et ça, normalement, c'est tout ce qui est censé. Oh, ça me dégoûte. Oh, j'ai mis mon doigt dedans. C'est censé être sur le coton-tige. Voilà, bonjour. Elles seront disponibles sur le site de Air Scandal. Donc, honnêtement, c'est pas excessif. Vous avez des packs de 8, de 16, de 24. Et vous avez moins 50% avec le code MADI50 sur tout le site. Donc, ça vous revient à moitié prix.
Et pour le coup, voilà, tout est expliqué, même si je vous l'ai montré. C'est vraiment très pratique. Il y a plein de coloris différents et plein de parfums différents, donc profitez-en. Bon, je me suis préparée assez rapidement. Honnêtement, je suis un peu à la bourre parce qu'ici, il est déjà 21h30. Je dois aller dîner avec une copine. Donc, j'ai mis une petite tenue. Mes cheveux, bon, bah, je les laisse. Hein. De toute façon, je les ai lavés hier soir avec Nikki. D'ailleurs, ils sont hyper, hyper bien. Je suis contente. Mais je suis deck parce que je voulais me les onduler. Voilà, je voulais faire mes wavy avec mon appareil. Je l'ai emmené. Je vous explique. Je crois que c'est ce qui m'a pris le plus de place dans ma valise. Mais franchement, il est trop important. Il fait vraiment des trop belles ondulations. Et ici, comme il fait très chaud, très humide, des fois, je préfère avoir les cheveux ondulés. Parce qu'au moins, ça se remarque moins que les cheveux sont un peu humides. Plutôt que les cheveux lisses qui gonflent. Comme là, c'est pas trop coiffé. C'est un peu bordélique. J'aurais voulu les discipliner avec ce petit appareil-là. Donc, vous savez, c'est celui avec lequel je fais mes wavy. Vous coincez la mèche de cheveux ici. Comme ça. Hop, vous laissez poser. Et ça fait des putains d'ondulations. Mais là, j'ai pas le temps. Mais du coup, comme vous étiez beaucoup à me redemander le code promo et le site internet où je l'ai commandé celui-ci, ça doit faire 3 ans que j'ai cet appareil. Vraiment, il est increvable et il est surtout indétrônable. Je vous mets le lien du